Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah. Et bienvenue dans l'épisode 6 de Subnautica. Vilain comme j'avais été, je vous avais laissé sur un petit suspense et je vous avais dit que j'allais tout de suite la tourner suite à la dernière épisode, l'épisode 5, parce que je porte le même chandail. Et voilà, donc vous voyez, même le menu pause est exactement au même endroit. Au même endroit où je l'avais laissé, vous comprenez? Alors, sans plus attendre, parce que je suis très impatient, c'est parti! Regardez-moi cette beauté, putain! Entrez dans les Sea Mods. Boum! Wow! Oh, c'est génial! Holy fuck! Wow, ça va vite! C'est incroyable! Hilt 100, énergie 99. J'appuie sur E pour quitter. Est-ce que je peux ramasser des bébêtes à même mon vaisseau? Est-ce qu'il y a des petites pinces? Est-ce qu'il y a un truc équipé pour ramasser des bébêtes? Ou c'est juste pour explorer? Ah, putain de merde! D'accord, donc je dois vraiment être prudent, en fait. Est-ce que je peux attraper? Non? Ah, putain, d'accord! Donc, en fait, c'est comme des moustiques sur une autoroute. Des accroches, ils explosent dans ta vitre. Bon, ok, donc, je peux pas ramasser, en fait, des bébêtes. Alors, c'est vraiment un outil pour explorer les profondeurs marines. Ok, d'accord, excellent. Mais c'est vraiment rapide. Quand on atteint notre vitesse de croisière, c'est ultra vite. C'est très cool. Wow! D'accord, donc on appuie sur E et à ce moment-là, on peut aller visiter, on peut aller explorer et notre vaisseau nous attend. Bien gentiment. Ça serait drôle de voir tout le sang étalé sur la vide. Wow, t'as fait un long voyage. Ouais, quand même, il y avait beaucoup de circulation. Ah ouais, d'accord. Donc, maintenant, je vais devoir trouver ce que ça me prend pour fabriquer mon suit anti-radiation. Maintenant que j'ai mon espèce de gros vaisseau. Mais il paraîtrait-il que sur le rebord du gros vaisseau méchant, il y a des grosses bébêtes bien féroces. Donc on va devoir être quand même très prudent et fabriquer l'essentiel, vous comprenez? Donc kit de câblage, d'accord, je vois que j'ai quand même assez de trucs, le magnésium c'est cool. Au niveau de la nourriture, je vais justement devoir partir à la chasse maintenant que je sais que je peux me faire une putain de grosse armoire. Je me ferai une petite section en fait. En fait, je devrais me faire une armoire à bouffe, d'accord? Et je vais pouvoir mettre en fait des poissons. Je sais pas si des poissons standards pas cuits peuvent pourrir. On fera le test en fait. Donc, nourriture asséchée, bah pourquoi pas. Allez, un petit Gary Fish, super. Il porte bien son nom, en fait, le petit coquin. Le seul problème, en fait, c'est que c'est super nourrissant, un Gary Fish, mais ça enlève du H2O. Donc, par contre, j'avais ramassé du sel, donc je vais pouvoir me faire du Javel, ou presque. Ah, ça prend des blocs de corail. C'est pas grave, j'en ai tout prêt. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le suit. Alors, une combinaison anti-radiation. J'ai besoin de plomb. D'accord. Et j'ai vu, en fait, qu'on pouvait faire le plomb en soi. J'ai un couteau pour me défendre. Ça, c'est correct. Une poche d'air. Ça, c'est intéressant pour remonter rapidement à la surface. Un assembleur, j'en ai déjà un. Une soudeuse, c'est vrai, vous m'aviez dit que je devais surtout m'équiper d'une soudeuse. Ah, putain de merde! Bon, merde! Je m'en vais de plus en plus. Je vais bientôt me retrouver à l'extérieur, bordel. Donc, machine, bon, Seaglide, j'en ai un. Constructeur, c'est bon. Les balises, très intéressant. Les générateurs de courant, c'est bon pour faire des pièges. La gravisphère, ça va être pour plus tard. Éventuellement, je vais pouvoir avoir besoin d'un gun. Avec un 12. Poum! Chic, chic, chic. Ploum! Ce serait excellent. Allez, d'accord. Donc, kit de câblage, non. Eh, putain! Ça fait chier, en fait. J'ai déjà hâte de me pour plus, en fait, bouger comme ça. On va pouvoir avoir un peu de stabilité dans les bases souterraines qu'on s'est fabriquées. Donc, personnel, j'avais... Ah non, c'est vrai, ça prend du plomb, du plomb, du plomb. Voilà, je tourne en rond comme une merde. Du plomb, ça prend du minerai de cuivre. Trois fois? Avec du minerai d'argent. Bon. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma petite base. Allez, c'est parti. Oh! Du quartz. Très intéressant. Ploup!
Excellent. Et on va aller dans notre petite base qu'on s'est fabriquée juste ici. Et je vais aller utiliser justement mon armoire. Boom! Alors on va placer le titane, les dépôts de sel, le quartz, les minerais d'argent aussi, titane, super. Bah tiens, les fragments de ciment, en fait, je pourrais peut-être en utiliser un et essayer de l'analyser pour voir ce que ça fait. Bam! Est-ce que ça fonctionne? Analyseur de fragments en veille. Je sais pas en fait si ça en prend plusieurs pour que ça analyse, je sais pas. Mais il semble en veille, donc je crois pas qu'il est en train de faire vraiment grand chose. Ok, je vais essayer d'en mettre un autre pour voir ce que ça donne. Boum! Donc, allez, c'est parti. Non, en fait, il semble pas accéder à l'analyseur. Non, d'accord, analyseur en veille. Donc, ça fait pas grand chose, donc je crois que je dois vraiment en ajouter un autre. Voilà. Je vais le laisser faire. La dernière fois, je crois que j'avais vu le même truc et ça avait fini par partir. Bon, allez. Donc, on ouvre ça ici. Les dents de rôdeur, ça, c'est super. On vient placer ça ici. Un poisson pourrissant, je vais pouvoir jeter. Je sais pas s'il y a des poubelles, en fait, un espèce de truc de feu qu'on peut jeter des trucs dedans pour les détruire indéfiniment au lieu de les laisser traîner partout. Mais j'ai pas vu de poubelle, en fait. Bon, le couteau, je vais le garder. Le diamant, très intéressant. Bouteille d'oxygène, quand même, assez important. Et les garifiches. C'est pas très nourrissant en fait. Donc c'est vraiment les voyeurs qui sont plutôt efficaces. Donc je vais tout de suite prendre ça et je vais tout de suite prendre un peu d'eau filtrée. Et maintenant que je suis vide, on va pouvoir partir justement à l'aventure. Et il fait nuit. D'accord. Parce que j'ai vraiment besoin d'un paquet de trucs. Et pour être honnête, notre petit sous-marin est plutôt cool. Mais pour l'instant, j'en ai pas réellement besoin. Le Sea Glide va faire entièrement le travail. Parce que je dois simplement aller chercher de la nourriture, comme des voyeurs. Voilà. Allez, allez. Voilà, super. Ça, c'est quoi, en fait, ce petit truc ici? Une petite bouboule. Ramasser un flotteur. Je vais quand même en ramasser un. Ça serait cool de se faire une partie de foot sous l'eau. Génial. Ça, je vais en avoir deux besoins. Allez, viens ici. Merci. Fou, au moins, vous vous sauvez pas. Vous êtes docile. Vous êtes gentil. Vous êtes aimable. J'aimerais bien savoir ce qu'on peut faire avec ces grosses bébêtes, à moins qu'ils soient uniquement décoratrices, décoratifs. Vous en faites, les guerriers, vous êtes laids, et vous êtes même pas bons. Moi, ce que je veux, c'est des voyeurs. Allez, à quel endroit que les voyeurs peuvent bien se cacher? Ok, on va retourner à la surface. Super. On revient à l'intérieur, et on va continuer. Là, en fait, je vais devoir aller m'écarter un peu dans les profondeurs pour pouvoir éventuellement trouver du minerai. Ah, j'avais besoin aussi des disques comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Du cuivre. Excellent, c'est exactement ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a encore d'autres... Attends, je t'assure d'avoir vu un truc ici. Non, d'accord. J'avais besoin de corail. Donc le corail, ça se trouve sur la surface ici, je me rappelle bien. Des grands tubes de corail. Ok, ça je dois le casser avec mon couteau. Bam! Bam! Super. Ah, j'en avais déjà de toute façon, donc j'aurais pas besoin d'en ramasser trop. Super. On va aller respirer un bon coup avant qu'on m'avertisse. Excellent. Boum! Je vais éventuellement avoir besoin d'une batterie. Je suis déjà à 31%. Mais c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'on utilise les objets qu'on crée. Allez! On va à la recherche de minerais. Je vais pas faire trop joujou avec toi. Je sais pas en fait si ces petits trucs sont mangeables. Ah! Ah! Oh putain, d'accord. On va continuer de descendre. Je sais pas s'il y a des trucs intéressants dans les profondeurs. Ah! J'aurais dû me faire une double bouteille d'oxygène. Ah! Allez, allez. Oh ouais, des bubules. De toute façon, ils vont arriver à la surface avant moi. Ah, voilà, on respire. Ouais, en fait, je devrais éventuellement me faire une bonbonne d'oxygène supplémentaire pour être en mesure d'aller un peu plus profondément. Ben, ok. J'aurais dû prendre mon sous-marin, on est d'accord. Ça aurait pu être un peu plus logique parce qu'au moins dans le sous-marin, j'arrive à respirer. Et, oh putain, non, je veux pas te déranger, je veux pas te déranger. Doudou, doudou. Je suis pas méchant avec toi, d'accord? Tu sais, je t'ai fait des guili-guili dans le dernier épisode. Ah, oh, merde. Ok, 48 d'air, j'en ai assez. Hop! Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Merde. Ah! Yes. J'espère que c'est du cuivre. Oh, ouais! Ah! Oh, fuck.
Donne-moi le cuivre. Je dégage. Je dégage ici. Merde! Ok. Ah! 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 Je joue avec le feu, je le sais. Yes! Ah! Allez! Merde! Ah! Ah! Bon, vous savez quoi? Je vais aller chercher mon sous-marin parce que je l'ai pas fabriqué juste pour le regarder. Ça, bien évidemment, pour l'utiliser. Oh, j'ai plus de batterie. Merde, et j'ai pas de batterie de recharge. Bon, alors nous revoici dans notre capsule. Je vais pouvoir aller placer le quartz, le minerai de cuivre que j'ai placé ici. Et maintenant, on va pouvoir se faire à bouffer avec... Juste ici, super... Oh, attendez. Ah, le poisson flotteur, je l'avais jamais analysé. Et ici, qu'est-ce que ça fait? Un fragment de pièce de sous-marin Seamoth. Analyseur en veille. Donc en fait, je peux pas faire grand-chose. Peut-être que vous allez me dire si je dois... Ben, attendez, est-ce que j'en ai 4 avec moi par hasard? Est-ce que j'en ai 4 avec moi? Non. Et pourtant, j'en avais quand même ramassé. J'en ai peut-être en stockage dans mon autre truc. Et là, on peut voir à l'arrière que la coque est encore en train de se péter. Et pourtant, j'ai de l'énergie, j'ai tout. Je comprends pas pourquoi. Et mon vaisseau peut pas vraiment avoir de dommages. Merde, il est à la surface! Bon, allez, on va se faire un peu de bouffe. Je me rappelle pas si j'avais assez pour faire du Javel. Et on va se faire aussi un peu d'eau filtrée. Très utile pour boire et survivre, bien entendu. D'accord! Je viens de comprendre! À toutes les fois que je fais toutes sortes de trucs, la puissance réduit de façon phénoménale! Donc, je vais pouvoir régler le problème, tout simplement, en mettant un autre panneau solaire! Qu'est-ce qui me manque? Du titane. Allez! Non! 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 J'aime ça quand c'est quand même assez similaire. Ah, fuck off. Allez, c'est parti. Et bam! Hell yeah! Donc maintenant, on va avoir un peu plus de puissance. Ça devrait logiquement se recharger plus rapidement. Allez, super. Donc maintenant, on retourne là-dedans. Et on va continuer de fabriquer ce qu'on a de besoin. Et on va prendre de l'eau désinfectée. Et je crois que je vais boire et je vais boire. Voilà! Bon! On est pétant de santé, ça c'est génial. Alors qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer? Ah oui, en fait, oui, bien sûr. J'étais venu ici pour me faire mon équipement, en fait, c'est-à-dire ma combinaison anti-radiation. Et j'en avais besoin aussi pour faire du plomb. Et pour faire du plomb, j'avais besoin de minerai de cuivre que j'ai et du minerai d'argent. Comment que j'ai du minerai de cuivre? Alors j'en ai un, deux et trois. Il m'en reste... et j'ai un minerai d'argent. D'accord. Donc on va se faire du plomb, mon ami. Ça, c'est super. Boom! Par contre, j'ai besoin de deux de plomb, si je me rappelle bien, pour faire mon équipement. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Thermomètre. Ça, c'est pas pour tout de suite, parce que j'en ai pas réellement de besoin, je crois. Ah! Il me manque encore du plomb. Bon! Les bouteilles d'oxygène aussi. Non, en fait, on avait dit qu'on allait prendre le vaisseau pour notre prochaine escapade. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Donc, on va aller tout simplement s'asseoir confortablement dans notre sous-marin. Et on va aller chercher encore du cuivre. Et si possible, du minerai d'argent. Hein, on ne crache pas sur aucun minerai, je vous dirais, honnêtement. Et j'ai quand même assez d'espace pour l'instant. C'est quand même bien pour l'instant. Ok, d'accord. Je crois que c'est super. Je répète. Non, en fait, avec le vaisseau, je vais être capable de respirer. Donc, ça règle le problème. Je vais aller voir ici qu'est-ce que j'avais de serré. Des tubes, une pile haute capacité, un lingot de titane et plein d'autres fragments de Seamoth. Donc en fait, je vais ramasser deux autres et je vais aller voir si je peux en faire quelque chose tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, hey, du cuivre, poupée! Génial. Est-ce qu'on a d'autres choses, par exemple, qui pourraient être intéressantes? Oui, du cuivre peut-être? Ah, du titane. Bah, ça se prend quand même bien. Un pochon, pourquoi pas. Il est ici. Allez, ravite. Ah, voilà. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'accroché sur cette surface, par hasard? On dirait bien que non.
Je m'ennuie de mon Sea Glide. Oh! Du sel! Du sel, du sel, du sel. Super. Oh oui! Allez, on retourne. Oui, 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 oui. J'arrive, 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 j'arrive. Merde, merde, merde. Oh! Oh! L'air, en fait, ne se récupère quand même pas très vite. Tout est pensé, c'est vraiment très, très chouette. Ce jeu-là, je le dis encore, est une vraie putain de merveille. Waouh. OK. Donc, on va continuer. On va aller voir si je pourrais pas trouver... des petits minerais pour pouvoir... nous remplir. Minerais! Super! Allez. On dirait qu'au début de la partie, on en trouvait tout le temps, mais en bout de ligne, on se rend compte assez vite qu'on en a de besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais maintenant que j'ai une armoire, je suis vraiment content, en fait. Je suis très heureux. J'avais peur, en fait. Je me disais au début, mais putain de merde, avec les petites boîtes, on peut pas vraiment faire grand-chose. C'est vraiment de la merde! Mais heureusement, avec les armoires, on a beaucoup d'espace de stock. Ah! Oh my god! Fais chier, fais chier, fais chier! Fuck, vous me faites chier, il y avait plein de beaux minerais à cet endroit. Merde! Allez, 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 allez. Ok, d'accord. Ah! Ouais, du minerai de cuivre. C'est super. Allez, on rentre. Ah! Bye bye! Ok, non, en fait, il y en a encore ici. Super, allez, allez, allez. Ah! Cet endroit est tout simplement riche en minerais pour l'instant. Ok, toi, je te dérange pas, en fait. D'accord, je veux encore du minerai. Il doit en avoir partout, mais ces espèces de petits connards qui s'amusent... Est-ce que t'es loin? Est-ce que t'es loin? Non? Est-ce que je... Ok, oh putain. Oh putain. Oh! Une dent! Merde! Il a perdu une dent! Allez, c'est ça. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en loin d'ici. Il y a un beau petit minerai ici que j'aimerais... Ah! Oh, ils sont beaucoup trop! Merde! D'accord, de toute façon, il y a un minerai ici. Je crois que ça va faire pareil. Voilà. Allez. Ah! Des algues grimpantes. Merde, je crois que j'ai pas... Ah! Merde, mon minerai! Ouais, super. Ah! Va faire tes tourpilles ailleurs, toi! Oh! Ah! Ah! Oh, quand on s'éloigne, il y a vraiment du minerai partout. Mais il y a aussi des méchantes bébêtes. Pour l'instant, on n'a pas rencontré encore de nouvelles créatures. C'est bien correct comme ça. Parce qu'il paraît que plus qu'on s'éloigne, plus qu'ils sont gentils, les créatures. Oui, bien entendu. Ah, ils ont tous envie de faire des câlins. Ils sont tous en manque d'amour profond. Ils ont manqué d'amour maternel. L'amour maternel. Ah! Va te faire voir. Va te faire voir. OK. Ah, yes. Minerai. Minerai. Oh, ça c'est génial. Allez, boum, du cuivre. On aime ça. Bam, encore du cuivre. Mais là, j'aimerais peut-être ramasser de l'argent. Ça pourrait être fort utile aussi. Là, je ramasse juste du cuivre. Bon, je crache quand même pas sur le fait de ramasser juste ça. Mais quand même, ça pourrait être utile d'avoir autre chose. Oui, 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 oui. Oh, merde. Allez, 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 allez. Oh, je m'ennuie tellement de mon Sea Glide. Merde. Ah! Woo! Goodbye, everybody! Allez, super! Donc, on va attendre de pouvoir respirer quand même un bon coup. De l'argent, peut-être? Du titane! Comme si j'en avais pas assez! Yay! Bon, évidemment, je vais toujours en avoir de besoin. Comme j'ai dit, il ne faut pas cracher sur, sur ce qu'on nous offre. Hein. Voilà. Oh! Oh! Un nouveau biome! Oh, putain! Yeah! Des fragments! Mais pour l'instant, on dirait que mon analyseur de fragments fait plus grand-chose, donc... c'est presque devenu complètement inutile d'en avoir. Ah, il est ici. Vous avez entendu ça? Ah! C'est quoi ça, putain?
j'hésite en fait à explorer parce que je me demande s'il n'y a pas des drôles de créatures à cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? On dirait des toiles d'araignée. Bon. Je vais aller visiter si ça se prend, en fait. Non. Peut-être avec mon couteau? Non, c'est vraiment juste décoratif, en fait. D'accord. Je trouvais qu'il y en avait quand même beaucoup. Je m'étais dit que peut-être que ça se prenait. Yeah! Encore des fragments. Super! Qu'est-ce qu'on a ici? Wow! Vous avez vu les créatures? Je la prends. Je vais pouvoir l'analyser et voir si ça se bouffe. Merde! J'aurais dû amener ma lampe torche. Ah! Elle est ici. Boum! Excellent. Une bichette. Allez! On continue l'exploration. Peut-être que dans ce nouveau monde, il va y avoir des nouveaux minerais intéressants. Pour l'instant, il y a quand même beaucoup de fragments. Putain de merde. En fait, je le pointe toujours. Ok, d'accord. Il y en a partout, putain! Il y a des nouveaux bruits et j'aime pas ça, en fait. Vous avez vu la putain de bestiole? Je savais qu'il y avait une nouvelle bestiole! Regardez-moi ce gros tas de merde! Waouh! D'accord, j'imagine qu'elle est ultra méchante avec la face qu'elle a! Maman? D'accord. D'accord, c'est ça qui fait ce bruit-là. Je voyais l'ombre en plus et je me disais, je regardais, ah, c'est les petits rochers qui sont dessus. Oh, putain. Regardez-moi ce putain de truc géant. Waouh. Ça semble plutôt inoffensif, en fait. C'est plutôt les grosses bepettes qu'on vient de croiser qui sont, je crois, très dangereuses. Wow, regardez-moi les crevasses! Vous croyez qu'il y a des trucs intéressants là-dedans? À part peut-être des grosses bêtes? Ça me fait peur de m'y aventurer. Oh, putain! Ah! Ça endommage la coque! Merde. D'accord. Donc, j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir m'aventurer dans ces profondeurs. Je vais avoir besoin d'un sous-marin, en fait, plus puissant. Aïe. D'accord. Allez, on reprend le contrôle. Super, merci. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? What? Hey, putain! Arrête d'attaquer mon vaisseau, merde. En fait, je vais tout simplement aller voir qu'est-ce que c'est que ce truc. Ramasser une plante méduse. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, en fait, ça, c'est un champignon acide. Ça va quand même m'être utile pour pouvoir fabriquer une pile. Pour éventuellement recharger mon Sea Glide. Mais j'avais besoin de cuivre. Mais du cuivre, j'en ai. Bon! On va retourner un peu plus vers la surface et on va continuer à chercher du minerai. Parce que c'est quand même ça qui nous manque. Et je manque cruellement de minerai d'argent. C'est sûr qu'il y a un biome qui est plus propice à recevoir de l'argent. Parce que là, pour l'instant, je ramasse pratiquement juste du cuivre. On continue les recherches. Mon inventaire est présentement plein. Attends, je vais aller ici. Évidemment que je peux pas consulter mon inventaire une fois que je suis dans le confort de mon vaisseau. C'est logique! Bon, regardez bien en fait.
Donc, je vais aller dans mon inventaire. Regardez ce que j'ai trouvé. Un fragment d'atelier. Et j'ai aussi trouvé un fragment de terraformeur. Ah, j'ai trouvé ça aussi. Un canon à propulsion. J'ai trouvé plein de trucs super intéressants. Donc, je vais tout de suite aller serrer ça dans notre joli atelier. Allez, maintenant on va aller se vider un peu. Clac, 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 clac. Voilà, on met tout ça ici. Le plomb aussi, le quartz, le sel, le titane, j'en avais ramassé plein. Et bien entendu, les fragments d'atelier, j'en ai ramassé quand même beaucoup. Et on avait ramassé au passage quand même beaucoup de pouf. Ah, quand même, on a fait un bon petit voyage qui a été fort intéressant. Et je vais devoir peut-être... attendez, je vais aller voir mon fabricateur. Ici, attendez. Donc, ça me prend 3 titanes que je vais immédiatement ramasser. 1, 2, 3. Et je vais aller à l'extérieur. Et je vais aller renfoncer. Ouais, pourquoi pas. Ah, je vais empirer ma putain de coque. Non, mais en fait, je vais aller fabriquer un renforçateur. Je sais pas en fait si ça va vraiment changer grand chose, mais c'est pas grave, c'est du titane, j'en ai beaucoup. Voilà. Et BAM! Excellent. Donc, résistance de la coque changée, plus 7, au total 15. Génial. Donc en fait, je crois que ça, on le place ici, mais ça renforce la coque au complet. Donc, allez, c'est parti. J'aurais aimé éventuellement, mais oh voilà, maintenir E pour démanteler. Mais ça reste que c'est défoncé! Merde, ça fait chier. Je vais peut-être avoir besoin d'un réparateur, je sais pas, pour pouvoir éventuellement réparer les endroits qui sont pétés. Ouais. J'ai hâte de pouvoir continuer à découvrir tout ce qu'on peut fabriquer. Merde, est-ce que j'ai des nouveaux trucs? Non, évidemment, parce que c'est avec ce petit machin qu'on va pouvoir... attends, voilà. Est-ce que je pourrais rentrer dans... voilà. Ça, ça n'a pas donné grand-chose parce que le CMOD, je crois, qui a été fait. Je vais devoir analyser probablement ce que j'ai trouvé ici pour savoir quoi en faire. Mais ça, vous allez pouvoir me dire dans les commentaires ce que je dois faire de ces nouvelles trouvailles. Ça va pouvoir me donner un bon coup de main. Et on va pouvoir ensuite procéder à la fabrication de mon suit anti-radiation. Et on va pouvoir continuer de grandir cette structure, la solidifier, mettre des vitres. Ça va être intéressant pour avoir un beau paysage et voir ce qui se passe à l'extérieur. Il y a tellement à faire dans ce jeu, c'est génial! Bon, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à mettre un like! Postez plein de commentaires, je vais pouvoir les lire, des trucs, des astuces, quelle prochaine étape je dois faire. Quand même, on a découvert des trucs bien cool dans cet épisode. Et elle dure quand même un peu plus longtemps qu'à l'habitude. Donc ça fait plaisir à plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de faire des épisodes un peu plus longs. Eh bien, voici une, d'accord? Hey! Allez sur mon Facebook, abonnez-vous, Twitter, visitez mon site web stellars.com. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Allez sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye-bye!